Avignon et les Saintes-Maries. Jésus est né en Provence, c'est un berger qui me l'a dit. Dans le midi de la France, sous la dentelle des tamaris, Jésus est né en Provence. Jésus est né dans le midi. Il m'a dit, le berger, il m'a dit qu'un olivier avec ses branches lui avait fait comme un tapis. Et puis la brebis blanche qu'il y avait auprès de lui sentait le thym et la lavande des montagnes de mon pays. Peut-être n'est-ce qu'une légende, on blague un peu dans le midi. Berger, s'il m'a menti, peu cher, c'était pas malveillance. À vrai dire, dans ce paradis entre le Rhône et la Durance, on pourrait croire que le petit ne pouvait naître qu'en Provence, dans une étable vers Saint-Rémy, quand les étoiles se balancent dans notre ciel à la minuit. Entre Avignon et les Saintes-Maries, Jésus est né en Provence, c'est un berger qui me l'a dit. Dans le midi de la France, sous la Il m'a dit, le berger, il m'a dit qu'un olivier avec ses branches lui avait fait comme un tapis. Et puis la brebis blanche qu'il y avait auprès de lui sentait le thym et la lavande des montagnes de mon pays. Peut-être n'est-ce qu'une légende,
on blague un peu dans le midi. S'il m'a menti, peu cher, c'était pas malveillance. À vrai dire, dans ce paradis, entre le Rhône et la Durance, on pourrait croire que le petit ne pouvait naître qu'en Provence, dans une étable vers Saint-Rémy, quand les étoiles se balancent dans notre ciel à la minuit. Peut-être n'est-ce qu'une légende, on blague un peu dans le midi. S'il m'a menti, peu cher, c'était pas malveillance. À vrai dire, dans ce paradis, entre le Rhône et la Durance, on pourrait croire que le petit ne pouvait naître qu'en Provence, dans une étable vers Saint-Rémy, quand les étoiles se balancent dans notre ciel à la minuit.